Monsieur Fils, bonjour. Bonjour. Merci de vous accueillir. Vous êtes le directeur du tournoi MTN Open de Marseille. Alors, je vais avoir une question qui est d'ordre un petit peu plus technique, dans le sens où vous ouvrez depuis longtemps la tennis régionale. J'aimerais savoir de quelle façon vous êtes parvenu à arriver à réunir un plateau aussi beau et aussi dense que cette année. Bah écoutez, il n'y a pas de secret. Hein. Au départ, c'est des contraintes imposées par la WTA qui nous avait mis en concurrence avec beaucoup d'autres tournois et le niveau de joueuses baissait d'année en année. Et donc, on voulait réagir à cela. Et donc, on a trouvé avec ProEL, qui est le syndicat des joueuses françaises, un nouveau format à mettre en place avec un tournoi sur invitation qui nous permet pour un budget moins important de faire venir des joueuses encore mieux classées. Et donc on a foncé sur ce nouveau format qui en plus est beaucoup plus facile à mettre en place. On n'a pas un cahier des charges aussi lourd et donc on est très heureux, on espère que ça va porter ses fruits. Je pense aussi que le plateau est tellement relevé avec des joueuses du top 100 mondial. Je pense que pour le reflet du tennis club de Marseille et pour le sport féminin dans notre région, cette image nous plaît un peu plus. Tout à fait. Et franchement, le tennis féminin a besoin d'être encore plus mis en avant. Et puis je peux vous dire que chaque fois que j'arrive à avoir des amis ou des spectateurs qui viennent, qui font l'effort de venir, ils n'en reviennent pas du niveau des joueuses. Quand on est au bord du court, c'est là où on reçoit toutes les sensations et le plaisir de voir à ce niveau-là bien plus qu'à la télé. Merci, je vous parle plus. Merci à vous. Merci bien, monsieur. Merci à vous. Merci.